Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le petit Limousin. Et du coup, aujourd'hui, ça y est, le moment tant attendu est arrivé. On va s'occuper des chèvres. Donc, petite piqûre de rappel pour les bâtiments, en tout cas le corps de ferme des chèvres. On a deux bâtiments ici, un petit ici, le silo où j'ai mis l'herbe et le bâtiment qui nous intéresse le plus. Voilà, il y a encore un bâtiment de stockage ici et le bâtiment qui nous intéresse le plus, celui des chèvres. Donc, petit bâtiment assez sympa. Elles peuvent se mettre à l'abri tranquillou là-dessous. J'ai pas regardé. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Oui. De toute façon, on peut tout faire sur la map. Donc, par contre, comment la ferme? Fermer la porte. D'accord, ok. Ok, on a même le petit bruit du bois et tout, donc c'est plutôt sympa. Ensuite, petite pâture ici, donc nous on passe à travers mais pas elle normalement. On a un petit râtelier, est-ce qu'il est fonctionnel? Je crois pas. Herbe dans la pâture des chèvres, 5680 litres, ok. Ah ok, donc il y a déjà l'herbe. Ah oui, je viens de comprendre. Ok. Donc en gros, elles vont vraiment bouffer l'herbe. Je ne savais pas, on va essayer de toute façon. J'ai ramené de l'herbe au cas où. Il y a une auge ici. La seconde est ici, bien entendu. Donc ça doit être l'auge à flotte. Alors, si je dis pas de bêtises, on dirait. Ou alors, elle se débrouille toute seule avec l'eau. Mais je ne crois pas. Du coup, hop, on va acheter nos petites chèvres. Et on va en prendre quelques-unes. Hein. On va se faire plaisir, tranquillou, toin, toin. Hop, une petite quarantaine. Oh, quoique ça coûte pas si cher que ça. On va même en prendre 50, tranquillement. Et voilà, 50 chèvres, 17 500 euros, aisé, pesé, lemon squeezé. Hop, les petites biquettes. Pas vilaines, hein? Elles sont plutôt sympas, je trouve ça assez réaliste. Donc, de l'herbe, de la pâture. Comment ça va se passer? Je ne sais point. Propreté 100%, bien entendu, ça c'est normal. Ok, donc on met qu'il y a de l'herbe dedans. Mais on met pas. Bah, après, c'est dans l'auge, donc est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Mais du coup, on va s'occuper de les nourrir et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, on va aller chercher notre. Petite télescopique qui est là au-dessus, j'ai ramené tout ce qu'il fallait avec la remorque que j'ai déchargée à moitié aux vaches limousines. L'autre moitié, je l'ai ramené ici tranquillement. Je vais renlever ça et on va attaquer les bottes de foin déjà pour commencer. On verra le restant par la suite. Et j'ai pas amené la flotte par contre, il y a juste ça que j'ai zappé. Mais bon, j'ai le camion qui doit être. Il doit pas être bien loin, il doit être aux vaches chatières et on ira le chercher juste après, c'est pas grave. C'est juste ça que j'ai oublié. J'avais oublié que les chèvres mangeaient. J'avais oublié que les chèvres buvaient. Bravo. Donc le foin, est-ce qu'on peut le mettre là? Oui, Maurice. Par contre, j'ai eu l'icône, mais le foin n'est pas descendu. Donc je vais la poser là. Hein. On va faire comme certains font IRL, c'est-à-dire qu'ils posent leur bordel ici comme des dégueulasses. Et bah, alors là je parle bien sûr pour les vaches. Et les vaches se débrouillent. Saloperie de mouche qui m'enquiquine. Hop, voilà, reste là, toi Maurice. Donc niveau du foin, de l'herbe. Ah d'accord, ça m'a coûté de l'herbe mais pas le foin. Donc le foin c'est ailleurs. Ok. Eh ben on va aller rechercher une botte. Donc j'aurais mieux fait de pas faire d'herbe. Pas faire d'herbe, je vais pas y arriver. Parce que là, ça me l'a compté en herbe. C'était du foin. Mais c'est pas grave. Du coup, je le saurai maintenant. Je me trompe pas. Hein. Oui, c'est bien de l'herbe que ça m'a compté. Okay. Donc le foin, c'est ailleurs. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. C'est pas un problème. J'ai encore de la camelote. Comme ça, vous le saurez. Pour ceux qui n'auraient pas vu les chèvres encore, on sait jamais. On va attaquer du coup dans leur atelier au milieu de la pâture. Et on va pas tarder de le savoir. Évite de piquer de trigger au passage parce qu'autrement ça va encore m'afficher de l'herbe. En tout cas, bel but d'herbe hein, devant les auges, c'est pas mal. Allez, roule ma poule, ouvre les poches. Voilà. Et on va aller essayer ça. Donc ça, je suppose que c'est l'auge à flotte, c'est pas la peine que j'essaye. Je pense que ça doit être ici. Je pense. Foin. Voilà, impeccable. 4 tonnes pile poil, impeccable. C'est dommage que la botte ne s'affiche pas. On voit qu'il y a un peu de foin là, vous voyez là. Mais c'est dommage que la botte elle s'affiche pas en entière. Et du coup, bah, il nous manque plus que la paille et l'eau. Donc on va mettre la paille tranquillement. J'ai l'impression que la vidéo va pas durer très longtemps. Du coup, je m'attendais à. Oui, à 50 chefs quand même. Je pensais que bon, voilà, ça allait être globalement. Oula! C'est qu'elle va celle-ci? Je t'ai vu! Tu as essayé de t'échapper par les airs, Morissette.
Tu n'y es pas arrivé, j'ai fermé la porte, attends. Non, je pense que c'est parce que j'ai fermé la porte que ça a fait ça. Surtout ça. Allez, hop, mon petit T6 que j'ai d'ailleurs pris pour venir jusque-là. Et du coup, on va mettre une ou deux bottes de paille tranquillou là-dedans. Alors, je vais essayer de faire ça sans faire le gros dégueulasse, c'est-à-dire sans dépiler mes bottes que j'ai ramenées et que j'ai empilées soigneusement. Non, bien sûr, j'ai pris la machine qui empile automatiquement, là, la remorque qui prend automatiquement. J'avais un petit peu la flemme d'empiler des bottes, voyez-vous, on en a fait la dernière fois. Et du coup, comme j'ai déjà dit, faut que je prenne de l'avance. Et c'est pour ça que j'ai trimballé des bottes directement comme ça. Donc on va déjà en mettre une, on verra ce que ça donnera. On va bien voir. Essayer de manœuvrer sans faire trop le con. Ici, pas parti mon kiki. Là, ça va être mieux. Là. Ça va être mieux car c'est dedans. Bon, on va tenter de manœuvrer. Je sais pas comment ça se passe, je sais pas où on paille, donc je suppose, j'espère que c'est là-devant. Je vais essayer de me mettre en plat place. Et ça va être parti mon kiki. Si le portable arrête de sonner, ça pourrait être sympa. Et c'était pas là. Ou alors faut se mettre dedans. D'accord. On peut faire ça juste un peu plus réaliste et se mettre de l'autre côté, ce serait cool quand même, parce que bon. C'est pas que je fais ça un peu salement là pour le coup, mais ça me plaît pas vraiment cette histoire. Je suppose que ça doit être à cause de la pailleuse. Je suppose. Je suppose et j'espère que je suppose bien. Normalement, alors, ça doit être ça. Hein. Ça doit être à cause de moi qui me suis mis à l'envers. Donc je vais renlever ça et c'est parti mon gamin. Voilà, ça va mieux dans ce sens-là, hein. Ça fait un peu plus réaliste, donc maintenant je le saurai, bien entendu. Il fallait juste le savoir. Et on est pas pourri, on n'est pas plein, on peut en remettre une deuxième tranquillement. C'est reparti. Oui, le coup de la pailleuse, là, ça m'a fait peur. Hein. Je vous avoue que je me suis dit, what? Il y a un petit problème, mon capitaine. Mais en fait, non, c'est la pailleuse qui a pas voulu capter ce que j'ai voulu lui dire de faire. Et c'est pas grave, petit fail lose en passant. Elles font du bruit les câbles. Elles font du bruit. Allez, on recommence. Sans essayer de tout casser le matériel. Ça pourrait être assez sympa. Hop. Voilà, Maurice, impeccable. Et deux bottes et ça suffisait en fait. J'ai l'impression, hein. Même pas deux bottes, une botte et demie. Que l'on aura du rab. Voilà. Bah du coup il nous reste l'eau qu'on va aller s'occuper de suite. Et les biquettes, ce sera terminé. Donc les biquettes, ça nous produit quoi au final? Rien du tout. Productivité, taux de reproduction, fumier. Ah bah si, le lait. Bah oui, bravo Moret. Du lait. J'avais oublié le lait de chèvre. J'avais oublié totalement tout ça. Le temps calé, il est où par contre? S'il y a un temps calé. Ok, ça c'est pour picoler, c'est le biberon. Il est où le temps calé des chèvres? Il me semble que je l'avais vu dans la présentation et j'avais dit c'est assez curieux quand même de le mettre là. Je crois que ça doit être là-haut. Il me semble que j'avais dit ça, hein, me semble-t-il. Je l'avais vu par ici. Je suis pas sûr de mon coup, donc ça c'est la tonne. La cuve à fuel, ça c'est pour les semences. Voilà. Et c'est là? Non, ça c'est engrais liquide. Petite pépite d'or. Donc je vais éviter d'en ramasser 10 parce qu'après on va avoir un gros machin dégueulasse sur la map tout le temps. Merde, zut. C'est où le temps calé? Eh ben écoutez, ceux qui l'ont trouvé, n'hésitez pas à me dire. Je l'ai pas trouvé. Je suis aveugle. Ou alors c'est dans la cahute qu'elle a. Peut-être, je vois une porte. C'est là. Dis-moi que c'est là, Maurice. C'est quoi ce bordel? Ok. Il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de cuve. Ah, mais ça va se faire en palette. Ou alors, non, ben non, il y a une fumière. Donc, non, ça va se faire en palette. Donc, est-ce que ce serait ici le laitage? Je ne sais point. Mais je pense que ça doit être là. Camion, bah oui, puisque j'allais prendre le tracteur, mais je n'en ai pas besoin. Il y a le camion. Il est où mon camion? Dans le champ, normalement. J'ai tellement de matos partout. Laisse tomber. Bah. J'ai pas vendu mon camion. Si? What?
Mais qu'est-ce que vous pensez là? J'ai pas un truc qui se rapproche de là où j'ai besoin d'aller? Ma gueule, j'ai pas vendu mon camion, je crois pas. Le mec, mon camion il est là-haut normalement. Zut. Ah oui, il est. Ah non, j'ai claqué. Bah mon camion il est où? Bon, bah je vais chercher le tagazo. Je sais pas où est parti mon camion. C'est con quand même. C'est moche, je dirais même. C'est très très moche. What the fuck? The big fucking deal. Eh ben, je sais pas où est parti mon camion, il s'est envolé. Pourtant, je l'ai pas vendu, je crois pas. Ah, mais attends, je l'ai supprimé le code universel dans mon dossier mods là? Eh non, il est là. Je l'ai plus mon camion. Mister Red Bull de chewing-gum, j'ai envie de vous dire. J'ai plus mon camion du code universel. Comment c'est possible? Ah oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, je sais pourquoi. Parce que j'ai retéléchargé le pack de mods au cas où il me manquait des mods de BDT. Et en fait, j'ai changé mon code universel avec le sien, donc c'est peut-être pour ça. Ah, très intéressant. Et du coup, ça m'a pas indiqué quand j'ai. Pardon, quand j'ai. Je cherche le mot. Quand j'ai relancé la partie, ça m'a pas indiqué que le code universal avait changé. Alors que d'habitude, quand il te manque un mode ou alors quand tu le changes, il te l'indique. Et là, ça ne me l'a pas indiqué. C'est quand même con. J'étais en train de me demander où était parti le camion et en fait, bah, il est parti tout seul. Il est vendu. Il est vendu tout seul. Il est vendu sans que je touche d'argent. Magnifique. Eh ben, je le savais pas. Je me coucherai moins bête ce soir, comme on dit. Voilà, tout simplement. Maintenant, je le saurai. Bon, du coup, on va aller chercher la totonne tranquillement. Je vais poser la remorque à la place de la totonne au milieu du champ. C'est pas grave. Et oui, parce que maintenant je me sers des champs aussi pour stocker mon matériel. Non, mais ça ne sera pas le cas dans la carrière à liste, hein, vous inquiétez pas, on va bien rentrer le matériel soigneusement. Voilà. Et puis voilà. Mais ça m'a fait tout bizarre. Là, il me manquait mon camion. Là, j'ai vu aussi qu'il est parti mon camion. Eh ben, il est plus là. Il est plus là, le camion, il est plus là. Point d'eau. Est-ce qu'il y en a un là-bas de point d'eau? Oui, il y en a un là-bas de point d'eau. Il y en a juste à côté, donc du coup je vais pas reculer à celui-ci, je vais partir directement là-bas tranquillement. À vide, et puis on chargera là-bas. Hop, on décroche ça ici, tranquillement, toin-toin. Allez, dodo. Et c'est à ton tour, ma petite tonne. Et c'est reparti mon kiki. Et puis bah du coup on va faire ça tranquillement et puis ce sera rapidement à la fin de la vidéo. Et j'avais dit qu'elle allait pas durer longtemps, puis au final le temps que je me perde, que je cherche mon boxon, et eh ben vous avez vu, hein, ça prend vite du temps de chercher son matériel alors qu'on ne l'a plus. Quel con. Ah là là, celui-ci, hein. Ah, il faut tout pour faire un monde, c'est moi qui vous le dis. Il en faut des comme moi pour amuser la galerie. Sinon on s'ennuierait. Sinon on s'ennuierait. Logique. C'est logique, c'est logique. Allez, roule ma poule. On va passer par là, on va reprendre la même route. Ça ira plus vite, je pense. En tout cas, le 2 se roule à 63, mais t'as l'impression de rouler à 50 quand t'es en ligne droite. Par contre, quand tu prends un virage, tu le sens. Je dis ça, mais au final, quand on va commencer la partie sur un carré réaliste, on va rouler à 30. Ça va être assez marrant. Après, bon, voilà, je le fais exprès. Hein. On va mettre des parcelles un petit peu éparpillées partout et des petites parcelles et on va rouler à 30. Après, bon, bah voilà, quand ils seront hors ligne ou quand ils seront sans moi, ils pourront rouler à la vitesse qu'ils voudront, c'est pas un souci. Je vais pas les empêcher, bien sûr. Mais je vais essayer de faire. Enfin, moi, je roulerai à 30, en tout cas, personnellement. Mais je suis en train de penser à autre chose. Sans vous, je sais pas si je vais. Trop avancé ou trop ou demander à Papy et Chris de trop avancer, je sais pas trop comment ça va se passer ou si on reste sur le même principe, c'est-à-dire que c'est une carrière suivie bien entendu, mais est-ce que suivi trop suivi, tu le suivis si vous préférez, voilà. Est-ce que si c'est trop suivi, voilà, ça va pas vous lasser et tout. Je ne sais pas. C'est où la flotte? Celle-là. Putain, je le savais pas ça. Attends, attends, attends. Il y a une vidéo en plus à faire ici.
Le mec qui est perdu. Non, je savais pas moi ce truc là. Ah, attendez. Je vais récupérer, enfin je vais lancer le... Le mec qui découvre encore la map, ça fait je sais pas combien d'heures que je fais dessus, je suis jamais venu de ce côté là. On peut vendre du bordel ici? Du lisier ou... Digesta, 100%. Impeccable. Bah écoutez, si j'ai pas besoin de le remplir, moi je demande rien à personne, hein, monsieur dame. Hein. Comment ça se fait qu'il est déjà plein? Alors que j'ai jamais rien amené ici, puisque c'est la première fois que j'y viens. C'est pas le digesta du BGA, j'espère au moins, parce que autrement s'il fait le plein tout seul, c'est un peu couillon. Eh bah écoutez, je vais me coucher encore une fois de plus, moins bête que je n'étais ce matin. Puisque je savais même pas qu'il y avait ça. Hop, et c'est reparti mon gamin. Eh ben, on va repartir. Non, je t'ai dit tout en bas, toi. On va repartir voir nos piquettes. Mettre de l'eau dans l'auge. Et puis, puis voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On aura bien travaillé. J'aurais découvert des choses. Je serais un peu moins con qu'avant. Et puis. Je cherche toujours mon tank à lait des chèvres. Mais à mon avis, ce sera en palette. Une bêtise pareille. Je pense. Ça passe. Ouais, c'est bon. J'avais peur que ça passe pas. C'est tout bon. C'est tout bon, mon copain. Allez, hop. Serrez-vous les biquettes, faut que je passe. Parce que là, je suis pas venu avec un petit. Je peux encore pas passer si ça se trouve avec une bêtise. Je vais jamais passer de la vie, là. Jamais de la vie, je passe là au milieu. On va essayer quand même. Le mec, il sait qu'il va en chier, mais il va le faire quand même. Ah bah non, bah ça passe largement. Il passera un train. Allez, hop. Et hop. Et on décharge. Est-ce que ça consomme beaucoup ces bêtes là? Bon, pas tant que ça. Hein. 2000 litres. Ouais, presque 2500 litres. Un kilo. Eh ben écoutez, voilà. On aura bien travaillé quand même. Donc nos chefs sont nourris. Suivant comment que ça va ressortir, qu'est-ce qui va ressortir, je ne sais pas. Je pense que ce sera des palettes. On verra bien. Bah du coup, on verra bien si je fais une vidéo vente. De lait ou non. J'accélérerais bien le temps quand même, mais après c'est chiant. C'est triché. Ah non, c'est pas triché, mais... Je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, on verra bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que les fails vous auront plu aussi, hein, comme d'habitude. En tout cas, bah, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi ou une très bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.